Bonjour, donc je suis Laurette, je suis de la promotion donc 2014 et mon poste actuel est donc analyse d'installation offshore chez CIPM à Paris. Mon métier consiste à analyser les différentes étapes de l'installation offshore, donc sur des bateaux d'installation. Il faut réussir à modéliser en fait toutes les étapes de, on va dire, du bateau, donc en mer, jusque finalement au moment où le pipeline est au fond de la mer. Pipeline, structure, enfin tout ce qui finalement est installé pour le monde pétrolier. En ce qui concerne les projets, il y a deux grandes phases. Une première, donc, engineering, qui dure à peu près un an et demi à peu près, où là, on travaille au bureau, donc avec des collègues, par exemple, les méthodes d'installation. On travaille en parallèle pour créer des procédures d'installation. Et la deuxième phase donc, du projet, c'est la partie installation en mer. Et là, par exemple, je reviens donc, de 6 semaines en Angola, où on a installé donc, des pipelines, des structures, tout ce qu'on avait prévu d'installer depuis à peu près 2 ans. Ce qui me passionne dans ce métier, c'est vraiment cette phase d'installation en mer, où vraiment cette période concrétise les 2 ans de travail. Pour ce métier, il faut en premier être rigoureux, c'est vraiment la principale qualité. Et pour moi, il faut être curieux. L'Ensta Bretagne, oui, donc m'a beaucoup aidée pour ce premier emploi. En ce qui concerne notamment les stages, puisque c'est grâce à mon contrat pro que j'ai eu finalement mon premier emploi, même si ce n'était pas dans la même entreprise. Et ensuite, oui, les cours finalement de dernière année ont été une très bonne introduction à ce premier emploi. Il y en a plusieurs. Toutes les associations, que ce soit le club Marathon Shell, les Pop-Up Girls, le club musique. Je crois que je les ai un peu tous fait, les clubs, donc c'est de très bons souvenirs, tous.